Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va traiter aujourd'hui d'orthographe, puisque nous allons parler de l'accord des adjectifs de couleur. Commençons d'abord par rappeler la règle générale. L'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ça, c'est la règle générale. Lorsque l'adjectif de couleur est composé d'un seul mot, cette règle s'applique. Des éléphants bleus, bleu prend un S. Mais attention, lorsque l'adjectif de couleur est un mot composé, il devient alors invariable. Des éléphants bleu ni clair ne prennent de S. Autre difficulté à prendre en compte, les adjectifs de couleur issus de noms sont toujours invariables. Des citrouilles orange, orange restera invariable. Des lunettes marron, pareil. Il y a cependant quelques exceptions. Des montres roses, rose s'accordera avec le nom. Des pommes écarlates, même chose pour l'adjectif écarlate. Ou encore pourpre, mauve, ou enfin fauve. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que les adjectifs de couleur en un seul mot sont variables. Que les adjectifs de couleur issus d'un nom sont invariables. Et qu'enfin, les exceptions sont les adjectifs rose, mauve, fauve, écarlate et pourpre. Et voilà !